C'est au centre. Oui. Prends la panto, vieux. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, là, bah, c'est que la TVA, il y a écrit T20 ou XA, il n'y a même pas la XA. Oh, les copies, elles sont buggées. C'est comme l'autre fois, il y avait écrit telle voiture, on n'avait aucune des deux, on avait la Turismo R. Alors ça va, c'était faisable, même avec la Turismo R. Elle décrochait un peu dans une loupe, mais ça passait. Mais ouais, les copies, c'est pas fou, hein. Il y a un panneau qui dit d'aller à gauche, là, vu du fais gaffe. Ouais. Regarde, il y a une flèche. Ouais, très bien. Toi qui cherches tout le temps les flèches partout, hein, quand il y en a pas, tu dis « Oh, mais il y a pas de flèche !» Va à gauche, il y a une flèche. Faut freiner ici, sinon tu finis dans la montagne. TGV, il fait les quatre coins de la roue. Oh, mais de l'aide, il a failli faire une sortie de route. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est les... Ah non, j'ai cru que c'était les rampes quasiment plates. Oh, ça doit être une de ses premières maps, ça. Les wallrides, ils sont pas doublés. Oh, ça ne lui ressemble pas du tout. Mais pas du tout. Que ces dernières maps, tout est doublé parfaitement. Il a fait 2-3 Asian, pardon. Ils sont magnifiques. Ouais, Zijluga, il copie des plus récentes aux plus anciennes, les maps. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il a écrit nouveau créateur dans le descriptif. Bah, si c'est sa première map, franchement stylé, hein. C'est pas doublé, mais stylé. Ça passe. Avec la vitesse, y a pas besoin de doublage. Pourquoi j'atterris comme un con là? Allez, j'ai dit. Les boosts, ils m'envoient un enfer. Terrible. km/h. Là. Avec les boosts, les descentes, l'orientation, ouais, ouais, des wall rides, ouais. Bah regarde la course de Stunt à Cédric, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Galactica, c'est l'autre. Celle où tu commences à la limite de la map tout en haut. Il l'avait même, il avait copié toute la map complète, il en avait fait un ensemble d'éléments avec Zenvius. Et il avait augmenté la hauteur de la map histoire de vraiment aller toucher le sommet. Il a outrepassé les limites de l'éditeur quoi. Et putain, les 4-5 tubes que tu descends en spirale au début là, t'arrives dans le tube en bas, t'es à 400 et quelques km/h avec la GTO. C'est hallucinant. Tu descends à une vitesse toi, c'est... Et y a pas de boost hein. C'est juste une descente énorme.
Mais en quoi les boosts ils t'envoient en enfer, comme tu dis, t'as juste à les prendre tout droit. Bah non mais Ah mais faut être bien droit, si t'es pas droit, forcément tu vas t'envoler sur le côté hein. Ça c'est pas une question de bug ou quoi que ce soit. Hein. C'était roue F1 ça, bijou. Oh là là. Oh là 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 là. Ça fait deux fois que j'atterris comme un con là. Bah atterris bien. Tiens, chouïa. Fort placement, c'est normal. Là. Ouais, mais ralentis un petit peu avant de prendre le. Le machin, parce que ouais. Même moi, je ralentissais. Je freinais pas, hein. Je lâchais juste l'accélérateur histoire de décélérer. Le frein moteur, il te fait ralentir assez. Voilà.